Alors bonjour Luc, donc là on est chez Panasonic France, c'est ça? Et donc tu vas nous présenter cette merveilleuse caméra. Voilà, merci Mathieu de m'accueillir sur ta chaîne. Donc je vous présente ici la Varicam LT qui fait partie d'une gamme de caméras Varicam de Panasonic. Aujourd'hui il y a trois caméras, il y a la Varicam 35 qui est sortie il y a 3 ans, la Varicam LT qui est celle-là, qui est disponible depuis 2 ans à peu près, et la Varicam Pure qui est pure parce qu'elle est que RAW et qui est sortie plus récemment. Alors ici donc je vous montre la LT. Ce qui fait la spécificité de ces caméras et l'intérêt de ces caméras, c'est qu'elles ont toutes la même tête de caméra et le même capteur. Et c'est un capteur qui a été très innovant quand il est sorti, puisqu'il bénéficie d'un double ISO, ce qu'on appelle un dual ISO, double ISO. L'idée, c'est d'avoir... On a une technologie qui permet d'avoir des très hautes sensibilités. On ne peut pas faire un capteur seulement, par exemple, à 5000 ISO, parce que la plupart du temps, il n'y a pas besoin de 5000 ISO. Donc on a fait deux réglages de capteurs différents. C'est un petit peu comme si on tournait avec du film et qu'on choisissait la bobine. Est-ce qu'on met du 800 ASA ou du 5000 ASA? Voilà, là, c'est un petit peu pareil. On va pouvoir choisir de travailler sur une base de 800 ASA ou de 5000 ASA. Sauf que là, on est en numérique et même après avoir choisi la sensibilité native, donc cette caméra, elle a deux sensibilités natives, 800 et 5000, une fois qu'on a choisi la base, on peut encore monter ou descendre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'à 5000 ISO, alors on va avoir les mêmes couleurs, la même courbe log, la même dynamique. On est à 5000 ISO dans des conditions nominales. On va avoir un petit peu plus de bruit dans les bas niveaux parce qu'il y a ce qu'on appelle le shot noise. Il y a un bruit qui vient de la lumière elle-même. Quand il y a très très peu de lumière, chaque pixel du capteur, chaque cellule ne reçoit pas le même nombre de photons. Donc ça crée ce petit bruit. On va pouvoir, à partir de 5000, descendre par exemple à 4000, à 3002, à 2005 ou même à 1250 et à chaque fois diminuer le bruit. Et donc on peut avoir, en partant de 5000, avoir des images très très propres et quand même à des hautes sensibilités. Donc avec l'expérience, les chefs opérateurs qui utilisent cette caméra souvent utilisent 800. Donc sur la base de 800 ISO, on reste à 800. Et sur la base de 5000, on descend à 3002. Et donc on peut switcher de 800 à 3002 dans la même scène et avoir la même texture d'image. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que au début, cette caméra était vue un petit peu comme une caméra spécifique pour les plans de nuit, pour les... Voilà, j'ai pas de lumière, je vais prendre une Varicam. Ou j'ai un plan à faire de nuit, je vais prendre une deuxième caméra, une Varicam, etc. Et petit à petit, les chefs op ont commencé à réaliser que c'était pas juste intéressant pour quand il n'y a pas de lumière, mais c'est intéressant parce qu'on va gagner beaucoup de temps. On va pouvoir gagner... Entre 800 et 3200, on a deux diaphs de différence. Hein, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus de watts. Ou en tout cas, à 3002, on a besoin de 4 fois moins de watts. Donc on va pouvoir travailler avec du matériel plus léger. Qui dit plus léger, dit plus rapide à installer, plus rapide à câbler, la possibilité de tester plus rapidement des petites choses, d'utiliser des toutes petites sources pour faire des contres, des choses comme ça. Donc on va travailler plus rapidement et ça donne plus de possibilités. On peut tout faire à 800, il y en a qui l'utilisent que à 800, mais on peut aussi, par exemple, certains utilisent tous les intérieurs à 5000 et tous les extérieurs jour à 800. Voilà, c'est une possibilité. Mais dans tous les cas, on va travailler plus rapidement. À la fin de la journée, on va tourner une demi-heure de plus parce que le petit plan qu'on veut tester, qu'on n'a pas le temps de faire, bah là, on va pouvoir le faire parce qu'on a gagné du temps sur le réglage, le déplacement des lumières entre chaque plan, entre chaque scène. Voilà, donc les 5000 ISO, le double ISO, c'est pas seulement de la haute sensibilité, c'est aussi travailler plus léger, plus petit camion, pour les lumières, hein, ça aussi ça peut compter, et gagner du temps. Et aussi, par exemple, pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Par exemple, on va travailler avec deux optiques, deux caméras et deux focales différentes, et on veut la même profondeur de champ sur les deux, alors qu'on est sur des focales complètement différentes. Voilà ce qu'on peut dire. Et alors, est-ce que c'est acté chez les chefs opérateurs? Est-ce qu'ils prennent, ils ont pris cette habitude d'utiliser du dual ISO? Ou alors c'est vraiment un peu, j'ai envie de dire, l'issue de secours dans certains cas? Ou vraiment ils prennent ton exemple, quoi? Alors il y a des chefs opérateurs qui prennent la caméra pour tester. Voilà. Alors en général, ils vont la tester parce qu'ils ont entendu parler de la double sensibilité. Ils vont la tester sur des plans où il n'y a pas de lumière. Voilà. Mais il y a des chefs opérateurs qui s'en sont fait qui ne tournent plus qu'avec ça. Qui ont pris l'habitude de tourner avec ça pour les raisons que j'ai évoquées et qui ne se voient plus revenir en arrière parce que maintenant ils ont changé leurs habitudes de travail, ils ont changé la manière de faire leur liste de lumière en fonction des possibilités de la caméra et ils se voient plus revenir en arrière parce que ça leur supprimerait des possibilités. Ouais, ça c'est un peu...
Ça, c'est sûr que quand on a goûté à une nouvelle technologie un peu innovante comme ça, on a toujours du mal à revenir un peu en arrière. Donc, comment les cibler, cette caméra, enfin, en tout cas, les trois caméras ici en France, est-ce qu'elles sont utilisées en fiction? Oui, bah, elles sont utilisées. Alors, c'est des caméras cinéma. Hein, nous, on présente ça comme des caméras cinéma. C'est des caméras 4K Super 35 avec des très hauts formats d'enregistrement, soit compressés, ProRes, H.264 ou RAW. Et on va la trouver. Alors, il y a eu du long métrage. Alors, du long métrage plutôt avec la Varicam 35 ou la Pure qui tourne pas mal aux États-Unis. Du long métrage aussi avec la LT. La LT, bah, maintenant, il y a un peu une tendance à avoir des caméras très plus courtes, enfin plus compactes, plus légères pour les stabilisateurs, la machinerie un peu légère. Mais donc on commence à trouver aussi la LT sur du long métrage. Après, il y a un peu tout, de la pub. Alors cette caméra, la LT, est aussi prévue pour faire du documentaire. On a des entrées audio, on a la possibilité d'ajuster l'audio. Enfin, elle est conçue pour tourner avec un seul opérateur. Voilà. En mode ENG, quoi. Quasiment en mode ENG, oui. Ouais. D'ailleurs, il y a même des chaînes de télé qui ont pris cette caméra pour de l'ENG. Ouais. Je crois que c'est en Australie, ils ont même pris la Varicam 35 en mode ENG. Ah ouais. Voilà. Alors, un truc intéressant aussi, c'est que, en général, sur des caméras avec des grands capteurs en mode ENG, on a besoin de gros zoom. Enfin, si on veut faire du reportage, on a besoin de gros zoom. Alors, il existe des gros zooms Super 35, mais c'est très lourd. Ouais, les Fujinon, là. Oui, où il y a chez Fuji, chez Canon, il y a un 50 000 par exemple. Bon, ça fonctionne très bien, mais on a un peu d'ouverture et c'est très lourd. Il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser des zooms broadcast avec un adaptateur. Donc, un adaptateur qui va en fait. Qui contient des lentilles, hein, qui va grossir l'image pour couvrir le capteur Super 35, puisque ces zooms broadcast sont censés couvrir un capteur 2 tiers de pouce. Ah oui, donc c'est un peu la fonction inverse du métabone, quoi, qu'on connaît aujourd'hui. Exactement, bon, oui. C'est le métabone qui est la fonction inverse de ces trucs. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce sont des optiques, dis-moi si je me trompe, qui ont une couverture plus pour les capteurs 2 tiers de pouce, et qu'on va élargir le champ de couverture pour les adapter à du Super 35, c'est ça? Oui, exactement. Donc en fait, à l'inverse du métabone, comme tu dis, on va grossir l'image et du coup, on va perdre beaucoup en sensibilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on va perdre, selon les données du constructeur, on va perdre 2 diaphs et demi. Donc, c'est énorme. Ouais. Sauf que quand on passe de 800 à 5000 ISO, on gagne 2 diaphs 2 tiers. Ouais. Donc en fait, c'est très intéressant cette caméra pour ces conditions, justement, où les gens hésitent à mettre ces trucs-là parce qu'on perd beaucoup en diaphs. On récupère ce qu'on perd avec le 5000 ISO. Et donc sur des captations live, par exemple, ce qui se fait de plus en plus, où on met des zooms broadcast, gros rapports, hein, voilà, il faut des gros rapports, qu'il faut des rapports 42 fois, 100 fois, ouais. On récupère avec le 5000 ISO, on récupère tout ce qu'on perd avec l'adaptateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre en termes de gamma et de codec, plus précisément, en fonction des trois caméras? Alors, le gamma, on a notre propre log. Ouais. Alors, c'est le V-log, Varicam log. Voilà, c'est un... Donc, la plage dynamique, c'est combien? Alors, 14-15 diaphs, ouais. On dit 14 plus, hein, ouais. 14-15 diaphs. V-log, en termes de codec, on a... Alors, en interne, on a, pour tout ce qui est 2K HD, on a tous les codecs ProRes, donc du ProRes... ProRes LT ou ProRes XQ, 4444, etc. Et en 4K, sur cette Varicam LT, on est en AVC intra, 4K, 422 10 bits. Ensuite, si on veut faire du RAW, où là on va passer en 12 bits, on peut utiliser les Shogun Inferno d'Atomos qui vont pouvoir enregistrer du RAW 4K 12 bits. Alors soit en non compressé, en DNG, soit en ProRes RAW, qui est le nouveau format d'Apple, partenariat avec Atomos, qui va faire un RAW compressé, donc qui a un peu les avantages de la qualité du RAW et de la souplesse du ProRes. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que si on veut l'utiliser en fiction et qu'on veut passer le stade du 422 10 bits, on est obligé d'aller directement sur la pure alors? Non, ou alors il y a un codec. Bah, alors déjà, si on veut faire de la fiction 4K, si on veut faire du 2K, on peut faire du ProRes 4444. Voilà. Dès lors qu'on veut faire du 4K. Alors si on veut faire du 4K, soit on rajoute un enregistreur RAW, ou même d'ailleurs ProRes 4K, HQ, ce qu'on peut faire avec un Atomos, soit on passe sur la Varicam 35,
qui va enregistrer du 4K, 4-4-4, 12 bits en interne. Ouais. Soit on a la Varicam pure qui, elle, en interne, enregistre du RAW 4K non compressé avec le workflow codex. On va utiliser les drives de codex et le workflow codex. Ouais. Et là, on est sur du pur RAW non compressé. L'idée de la pure, c'était justement un peu comme les gens qui utilisaient des films. Avant, les caméras étaient beaucoup plus simples, hein, puisqu'il y avait juste un choix de bobine, un choix de shutter, d'optique, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est on a une caméra qui n'a qu'un format d'enregistrement, le meilleur, RAW 4K non compressé, point barre, voilà, jusqu'à 120 images secondes. Voilà. Ça, c'est l'idée de la pure. Et alors, il n'y a pas une petite option, justement, dans la pure qui va générer des proxys, par exemple? Bah, c'est le workflow codex, donc l'idée c'est d'enregistrer du RAW sur le drive, et puis après au déchargement, on génère des ProRes, des DNxHD. Voilà. Mais il n'y a pas de proxy qui est généré en live, comme font Alexa, ou par exemple comme se sont mis à faire Red, de générer d'un côté du RAW pour la finalisation, pour la post-production, et générer automatiquement des proxys pour le montage. Alors en fait, on a des caméras, donc la LT ou la 35 génère des proxys. Par exemple, la Varicam 35 peut faire 3 enregistrements simultanés, ouais. 2 en très haute qualité, 4K, 2K, plus un proxy. Ouais. Mais ces proxys sont tous faits en parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en vérifiant le proxy, s'assurer qu'il n'y a pas de problème sur le fichier principal. Et c'est ça un petit peu qui est gênant avec la génération de proxys en parallèle dans la caméra. C'est que souvent, les gens veulent, en relisant les proxys, s'assurer qu'il n'y a pas un raté dans l'enregistrement principal. Mais c'est pas garanti puisque c'est des enregistrements parallèles. Ce qu'il faudrait, c'est que la caméra génère un proxy à partir de l'enregistrement principal. Ouais. Voilà. Ça sera forcément, ça peut pas. Raté. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous, votre politique, c'est de dire, afin de mieux se concentrer sur le fichier natif enregistré, on crée les proxys après, quoi, par un logiciel. Oui, en fait, c'était la politique de codex. Ouais. C'est le workflow codex, ouais, type. Alors au niveau de l'ergonomie, comment vous l'avez établi, comment vous l'avez choisi? Alors au départ, c'est une caméra en standard qui est avec une monture EF. Mmh. On peut dévisser la monture et mettre une PL. Voilà. Donc, ouais. On a EF ou PL. On a un viseur qui est un viseur OLED en 1900-1080. Voilà. On a une originalité dans le viseur, c'est qu'on a on a un zoom optique. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est à double tranchant, parce qu'il y en a, on leur donne le viseur avec le zoom dans une position, et jusqu'à la fin du tournage, ils vont pas réaliser qu'ils avaient un zoom optique, et ils vont trouver que l'image était trop petite ou trop grande. Voilà. Ouais. Donc il faut le savoir, il y a un zoom optique sur ce viseur qui permet de rentrer dans l'image ou de l'éloigner, et c'est assez agréable. Il y a une bague de dioptrie crantée. Ouais. Donc en général, c'est un viseur dont on entend beaucoup de bien, qui est très apprécié. Et on vient de sortir une nouvelle version, justement, en full HD. Avant, c'était un viseur en 720. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et petite particularité, c'est que moi je remarque sur les viseurs que d'habitude c'est toujours une connectique très particulière. Là, c'est une connectique en SDI. Oui. Alors justement, ça c'est plutôt unique, quoi. Moi, il y a pas d'autre. On a voulu faire ça. C'est une caméra. Le corps de caméra n'est pas très cher. Hein. Ouais. On va dire c'est 18 000 euros. C'est le prix public, c'est 18 000 euros. Le viseur fait 6 000 euros. Donc on s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui avaient déjà des viseurs à eux, qui voudraient réutiliser leur viseur sur la caméra. Et donc, on a fait une connectique standard, c'est du SDI, ouais, et une petite Alim standard. Donc ça permet de mettre n'importe quel viseur dessus. Ah, c'est ça. Moi, je trouvais ça plutôt pratique parce que du coup, ça permet aussi de les mettre en série, si on peut mettre en série. Tout à fait. Et puis ça permet aussi, si on pète un câble viseur sur le terrain, de le remplacer rapidement. Enfin, et du coup, on peut utiliser les viseurs sur d'autres caméras alors? Par exemple, je peux utiliser ce viseur là pour la mettre sur une RAID ou... Oui. Oui, oui. Puisque j'ai une entrée SDI. Bah oui, tout à fait. Il y a aussi un truc aussi très important, c'est que tu as des neutres intégrés. Oui, il y a une roue de filtre neutre, donc il y a une position clean, et puis après il y a un 0,6, 1,2, 1,8. Et ça c'est super appréciable. Et est-ce que cette roue intégrée de neutre est sur les trois gammes de caméras? Oui. Même sur la pure? Oui, c'est la même tête de caméra exactement, juste la partie enregistrement. Parce que ça c'est vachement... Enfin moi je trouve que c'est vachement pratique maintenant aujourd'hui, parce que les neutres c'est un des filtres qu'on utilise le plus souvent, notamment à cause des hautes sensibilités du capteur en extérieur. Et c'est vrai que un neutre c'est un tiroir, c'est des problèmes de reflets devant, etc. Donc là l'avantage c'est que les neutres sont directement intégrés comme d'autres caméras. Mais là il y a combien? Il y a 4 valeurs, c'est ça?
Il y a oui, 4 valeurs, dont une neutre. Donc, enfin, une neutre, une clear. Ouais, une clear. Donc, ouais. il y a trois valeurs, 0, 6, 1, 2, 1, 8. D'accord. Ok. Et après, au niveau des sorties voilà, alors au niveau des sorties, on a. Je sais pas si on voit ici. On a deux sorties. On a deux sorties SDI. On a une sortie pour le viseur, deux sorties SDI. On a du Genlock, on a du TC in-out, voilà, si on veut faire du multicam. Ce qui est intéressant sur les sorties, c'est qu'elles sont, on peut les configurer séparément. Donc on va pouvoir avoir une sortie log, une sortie avec une lutte. Ça c'est important. Ouais. On a un moteur d'étalonnage dans la caméra qui permet on peut charger plein de luttes dans la caméra, les appliquer à une sortie ou pas. On va pouvoir, alors je sais un truc qui tient très à cœur, c'est le clean view. Ouais, c'est pratique quand on veut lire un signal voilà, vidéo sur un oscilloscope. On va pouvoir très rapidement supprimer toutes les indications, les marqueurs, etc. Et éventuellement passer du log à la lutte, comme ceci. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut assigner en externe et avoir. Voilà, donc ça c'est pratique quand on met un instrument de mesure, genre une parade RVB qu'on veut vérifier et bien exposer son log, de pouvoir passer d'une image où il y a plein d'indications, de marqueurs et tout, à une image clean pour pouvoir bien la lire sur l'oscilloscope. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a un petit panneau de menu aussi qu'on va pouvoir placer d'un côté à l'arrière ou de l'autre, voilà, qu'on peut retirer. Donc ça c'est pour l'assistant. Voilà, pour l'assistant, on peut se promener avec. Enfin, il y a un câble quand même. On peut pas aller très loin. Il y a une. Donc là, on a les menus classiques qu'on trouve sur toutes les caméras de cinéma avec les réglages dont on a besoin rapidement pendant le tournage. Hein, donc les ISO, les blancs, la vitesse d'image, le shutter, choses comme ça. Et puis on a aussi une vue. Donc on peut voir le cadre, hein, on peut voir l'image, la caméra. Et un petit oscilloscope. Et on a un petit oscilloscope qu'on peut effectivement rajouter ou supprimer. Je sais pas si on peut. Hop. Alors en termes de référence, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, dans son CV, cette caméra? Alors, on a commencé par faire pas mal de séries Netflix, ouais. Parce que Netflix, en fait, a une liste de caméras validées et recommandées, ils imposent une liste de caméras, et notamment, il faut du 4K, comme ils ont un abonnement 4K, voilà. Et quand elle est sortie, toutes les caméras n'étaient pas 4K, et donc celle-ci s'est assez bien imposée chez Netflix. Donc on a des références comme par exemple Orange is the New Black, qui doit en être à la saison 6, si je dis pas de bêtises. Ozark, dans celle que j'aime bien, il y a Gipsy avec Naomi Watts, qui est très jolie au niveau de l'image, à mon goût. On a fait des séries, il y en a beaucoup d'autres, hein, récemment il y a Arrested Development, Anne with an E, 13 Reasons Why. Il y a eu aussi un film Death Note, ouais. David Tattersall, le gars qui avait fait Star Wars 1, 2, 3. Voilà, donc il y a un certain nombre de références Netflix. On a une référence très intéressante, c'est un film qui va sortir peut-être au moment où sortira cette vidéo, c'est-à-dire le 6 novembre, je crois, ouais. En France. C'est Crazy Rich Asians, donc les Asiatiques super riches. Et c'est un film de la Warner Bros. Qui a fait un carton aux États-Unis, qui a fait 150 millions de dollars en 3 semaines. Ouais. Enfin, les 3 premières semaines, hein, et qui est destiné au marché asiatique, puisque c'est sur les Asiatiques super riches. Voilà, et ça a été tourné en varicam pur, et donc c'est une très bonne référence, parce que c'est une des 6 majors, une des 6 grosses, des big six, Hollywood, et puis c'est un film à succès, voilà. Et pour les producteurs, une caméra qui tourne un film qui a du succès, c'est forcément une bonne caméra. Ah bah c'est vendeur, hein. Voilà. Voilà. Après, on a aussi, on fait aussi pas mal de. Bah, on a fait la nouvelle série Ainsi Grand Soleil sur France 2, qui est tournée avec 5 Varicam et 3 Eva. On a pas mal de shows télé qui sont faits avec des Varicam. Il y a par exemple l'équivalent de. Il y a Fama Bailar, c'est le Danse avec les stars en Espagne, qui est fait comme ça. Il y a beaucoup de séries de feuilletons quotidiens du type. Ainsi Grand Soleil, qui sont tournés dans d'autres pays aussi. En multicaméra, en plusieurs caméras. Voilà, ouais. C'est du multicam, là c'est des productions qui achètent les caméras et ça tourne beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est un épisode par jour, il y a 2-3 équipes et ça tourne beaucoup. Voilà, après il y a beaucoup de petits courts-métrages, de pubs. Bon, on n'est pas au courant non plus de tout ce qui sort. Ok, alors une question. Quid du RAW, quoi? Parce qu'en ce moment, on se pose beaucoup la question de savoir est-ce que
Non pas est-ce que l'euro est inutile ou pas, mais est-ce que aujourd'hui tous les projets doivent être tournés forcément en RAW, donc forcément avec une caméra qui a son propre RAW propriétaire. Oui. Alors moi ce que je constate c'est que dans la tête des gens il y a deux catégories, il y a le RAW et le ProRes. Voilà. Et souvent par ProRes ils impliquent tout ce qui n'est pas RAW, enfin tout ce qui est compressé, c'est-à-dire ProRes, AVC Intra, enfin tous les codecs H.264, voilà. Donc souvent, on raisonne de la manière suivante, soit on veut la meilleure qualité, si on a le budget, on veut la meilleure qualité, il faut du RAW. Voilà. Sinon, ProRes, deuxième choix, ProRes. C'est un peu, c'est un peu généralement ce que j'observe. Maintenant, je pense que le RAW n'est pas toujours nécessaire. Déjà, il y a RAW et RAW, hein. Il y a du RAW, effectivement, il y a du RAW 4K, pur, non compressé, etc. Et puis il y a du RAW compressé, voire fortement compressé. Donc tous les RAW n'ont pas la même qualité. Voilà, on peut être en 2K ou en 4K, ouais. On peut être en 12 bits, en 14 bits, en linéaire, en pas linéaire. Souvent l'intention avec les gens qui veulent du RAW, enfin en tout cas souvent dans le cinéma, ça a été promu comme ça, notamment par Panavision. C'est de pouvoir corriger ou de pouvoir rectifier mieux qu'en ProRes par exemple. C'est-à-dire, s'il y a une sous-exposition, une surexposition de diaph, on va mieux la corriger en débailleurisant différemment, en tirant des petits paramètres, qu'en ayant une image déjà débailleurisée et en rajoutant du gain ou des réglages classiques d'étalonnage. Voilà. Maintenant, c'est un workflow qui prend quand même du temps. Je ne sais pas si tout le monde fait vraiment ça, si tout le monde utilise le RAW comme ça. Je ne pense pas. Maintenant, par exemple, le ProRes RAW qui est promu par Atomos, Apple et nous, c'est un RAW très simple à utiliser. On récupère un point move, on le met sur la timeline et c'est comme si on était en ProRes. Voilà. Donc, c'est pas à mettre. Enfin, on a des choses assez différentes dans le RAW. Voilà. C'est très compliqué, j'imagine, pour des gens et même pour nous qui sommes là-dedans toute la journée, de comprendre et d'étudier toutes les specs de tous les RAW. Voilà, donc je pense qu'il y a une génération qui est faite, voilà, le RAW c'est mieux, ou en tout cas auprès de la prod, dire qu'on tourne en RAW c'est un gage de qualité, alors qu'en réalité il y a plein de RAW à des débits différents, à des quantifications différentes, etc. Il y a à boire à manger dans le RAW. Voilà. Donc c'est vrai, je pense que lorsqu'on fait par exemple un 4K 12 bits, on a des débits très élevés quand même, on est à 800 mégabits par seconde. On a une compression qui est quasiment invisible. Enfin, c'est l'équivalent d'une image HD à 200 mégabits en H.264, qui correspond peut-être à 300-400 mégabits en ProRes. Pour de la HD, c'est beaucoup. Donc on a déjà des qualités qui sont époustouflantes avec des codecs comme la VC Intra ou des codecs en H.264. Et on va arriver maintenant avec des codecs en H.265 qui vont proposer encore des meilleures qualités à débit équivalent. Et je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ces technologies, parce que les gens restent un peu sur le ProRes. Le ProRes est ultra validé, ultra fiable, il n'y a rien à dire. Quand une prod dit on va faire du ProRes, elle sait que ça va bien se passer. Enfin, elle sait qu'en post-prod, on va être tranquille. Quoi. En post-prod, il n'y a pas de surprise. Ouais. Voilà. Maintenant, le H.264 qui est souvent associé aux petites vidéos YouTube, etc. Parce que H.264, c'est une technologie, c'est une boîte à outils avec laquelle on peut faire des petits codecs ou des codecs très qualitatifs. Ouais. Voilà. Pour du YouTube, on va faire du très bas débit en 4.2.0, 8 bits, voilà. Dans des caméras, on peut faire du 4.4.4, 12 bits à très haut débit en intra-image. Voilà. Donc le H.264 n'est pas à négliger parce que c'est à débit équivalent avec le ProRes, c'est une meilleure qualité. Ou à qualité équivalente avec le ProRes, on gagne beaucoup de place. Voilà. Donc c'est quelque chose que je pense qu'il faut que ça rentre dans les mœurs. Et le ProRes aujourd'hui a quand même deux générations de retard. Enfin, on a le ProRes, le H.264 et le H.265 qui arrivent. Donc il y a un moment où je pense qu'il va falloir. Oui, il va falloir qu'un peu que le. Voilà, il va falloir, parce que le ProRes, ça fait quand même 10 ans, quoi, plus de 10 ans. Non oui, oui, ouais. ça fait très longtemps. Hein. C'est marrant parce que moi-même, j'étais toujours à me dire que le H.264, bah, c'est un peu péjoratif comme c'est. H.264, ouais, c'est le web bas débit, quoi. Mais en fait, on a du mal à s'imaginer qu'on peut avoir, sous le même nom de H.264, un codec très puissant, quoi. Oui. Bah, le H.264, c'est arrivé aussi dans les premières petites caméras grand public, avec l'AVC HD, tout comme ça. C'est quand on exporte, par exemple, on fait un export H.264, en général, c'est du bas débit pour YouTube, des trucs comme ça. Mais on peut faire du très haut débit, de la très haute qualité en H.264. Et le principe du H.264, c'est que ça compresse
beaucoup plus intelligemment. C'est un codec adaptatif qui va prendre en compte les qui va prendre en compte ce qu'il voit dans l'image. Ça va compresser plus efficacement, donc avec moins de défauts de compression. La contrepartie, c'est que ça prend plus de temps à encoder et à décoder. Alors, à encoder, c'est pas un problème, c'est la caméra qui le fait. À décoder, c'est l'ordinateur qui le fait. Donc là, c'était un peu un problème au début. Maintenant, du H.264, maintenant, on a des machines. Ouais, maintenant, on a les machines qui vont. Et enfin, dernière question, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu sur éventuellement des nouvelles évolutions de la caméra? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, je sais pas moi, au prochain NAB, au prochain IBC? Bon, alors évidemment, il y a des choses confidentielles que j'ai pas. Vous pouvez regarder déjà sur Internet. On va sortir dans quelques années. Quelques années. dans 10-15 ans. Non, enfin, on va sortir une nouvelle technologie de capteur. En fait, une fois que la technologie est sortie, ça ne veut pas dire que les caméras sont prêtes. Ouais, voilà. Après, il faut faire la caméra qui est autour. Mais on a une nouvelle technologie de capteur qui s'appelle OPF. C'est des capteurs organiques. Et là, on va arriver, à mon avis, au bout de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que, un peu comme en audio, quand en audio, on fait du 192 kHz à, je sais pas quoi, à 24 bits, bon, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et là, je pense qu'avec les capteurs OPF, on va arriver avec 20 diaphs de dynamique, des rapports signal-bruit hallucinants en 8K, et on aura à peu près, on sera à peu près allé au bout de l'histoire, et après on va se concentrer peut-être sur d'autres choses, mais je pense que les performances visuelles de la caméra, on va avoir une caméra qui a les mêmes performances que l'œil en termes de dynamique, de résolution, de... Mais alors quand tu dis organique, qu'est-ce qu'il faut entendre dans le mot organique, quoi? Il y a des cellules, C'est vivant, il faut nourrir la caméra. Faut nourrir, faut l'arroser, quoi. Faut donner à manger, ouais. Non mais organique, pourquoi organique, c'est quoi pourquoi organique? Parce que quand on parle organique, ça fait tout de suite penser à quelque chose d'ultra futuriste, quoi, donc... C'est quoi organique? C'est ça. Bah écoutez, alors là j'ai pas le secret. Moi, je vous invite à regarder. Enfin, j'invite les auditeurs à regarder. Vous tapez dans Google OPF Panasonic et vous allez tomber. Vous avez toutes les explications techniques avec les schémas, etc. Si vous comprenez, vous me rappelez. Ça m'intéresse. Bon voilà, donc ça. Tu penses, c'est dans combien de temps? Bah ça, je pense qu'on est dessus. Je pense que d'ici 2020, on aura probablement des capteurs. Bon, là, je m'engage à rien du tout parce que je pense. Si, tu t'engages, chez nous on s'engage. Hein. non, mais j'en sais rien, mais probablement 2020. Après, la question c'est parce que nous, Panasonic, on fait pas que des caméras de cinéma. Donc, est-ce qu'on va utiliser ça d'abord, développer ça d'abord sur la caméra de surveillance, où là il y a aussi un gros intérêt à avoir de la dynamique. Voilà, après, je sais pas. Évidemment, il y aura des produits, des caméras de production équipées de ces capteurs. D'accord. Mais là, en attendant, dans un futur proche, il n'y a pas un nouveau modèle, une Varicam 2, une Varicam 3? Alors, on vient de sortir, il y a un peu moins d'un an, la EVA 1. Ouais. Voilà, donc qui dit EVA 1 dit EVA 2. La première d'une série, probablement. Voilà, donc on va sans doute faire évoluer cette gamme. La Varicam, enfin les Varicam en fait évoluent régulièrement parce que on est là par exemple on est à la 7e mise à jour majeure. D'accord. Donc on apporte à chaque fois des nouvelles fonctions assez importantes. Alors évidemment le hardware on le fait pas évoluer, mais par exemple la dernière mise à jour permet d'exploiter la caméra en mode multicam avec toutes les fonctions qu'il y a sur une caméra de studio. Le pilotage à distance de la colorimétrie, du rec, même rebooter la caméra à distance, envoyer un retour vidéo, la gestion du tolly, etc. Voilà, donc c'est une mise à jour qui nous ouvre un nouveau marché, qui est celle de la captation multicam. Voilà, donc on continue de faire évoluer ces caméras. Pour l'instant, elles ont encore un bel avenir. La EVA va sans doute évoluer vers des modèles... Alors, bon, là encore, il n'y a rien de décidé, mais peut-être une EVA améliorée ou une EVA... c'est-à-dire dans la même gamme de prix, ou peut-être un intermédiaire entre la EVA et la Varicam. Bon, voilà, tout est encore à décider. Je ne saurais rien. Je me baladerai au prochain IBC. Bon, écoute, merci Luc pour cette intervention. Donc pour Luc, un petit pouce bleu, hein, parce que bravo. Et puis merci de nous avoir présenté ces trois caméras. Et puis j'ai envie de te dire, on se retrouve peut-être dans un prochain salon, quoi. Bah oui, avec plaisir. Hein, avec des surprises. Ouais. Une surprise quand même. Hein. Ah ouais, ça sera la surprise. Ouais. Oh là là, il est cachotier. Bon, merci Luc. À bientôt. Ciao.